je suis devenu un peu Monsieur Histoire et Monsieur Patrimoine de France Télévisions. Donc j'essaye de creuser mon sillon dans ce domaine. Il y a beaucoup d'historiens qu'il faut réunir, rassembler. Il y a des rédacteurs en chef par émission. Et sont eux qui font au fond la trame, le travail. Moi, je me contente de lire les livres sur le personnage en question et puis de me promener dans les lieux, d'ouvrir des portes. Au fond, ouvrir des portes, c'est ce que je fais de mieux. Vous savez, une activité est une récréation de l'autre. Je crois que les gens qui ne font qu'une seule tâche, qui sont monotâches, s'ennuient très vite dans la vie. Moi, au contraire, ce que j'aime, c'est faire plein de choses différentes. Donc oui, quand on est venu me chercher pour sauver ce collège royal et militaire, je l'ai fait. C'est une belle expérience, d'abord parce que ça me permet de l'ouvrir au public et donc de rencontrer le public. On a eu 7000 visiteurs cet été. Je crois que c'est pas mal, c'est un bon début. Je me garderai bien de donner des conseils. D'abord parce que les conseils ne valent que pour ceux qui les donnent et jamais pour ceux qui les écoutent. Je crois que le mieux dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est d'être soi-même. Au fond, j'ai toujours été moi-même. D'ailleurs, personne n'a envie de me ressembler, c'est bon signe.